Vous croyez que j'ai peur? Pas du tout, ça me rappelle juste un film. Les autres, de son titre original The Other, a été réalisé en 2001 par Alejandro Amenábar. On retrouve Nicole Kidman dans le rôle principal, jouant Grace, une mère de deux enfants. Ce film a reçu de nombreuses critiques positives lors de sa sortie en salle, ainsi que de nombreuses récompenses dans des festivals divers. Pour ce qui est de l'histoire, Grace et ses enfants vivent cloîtrés dans un manoir sur une île. Les enfants sont allergiques à la lumière, ce qui explique la pénombre omniprésente dans le film, et qui crée également une ambiance mystérieuse et angoissante. Le mari de Grace, quant à lui, est parti en guerre. Un beau jour, trois personnes viennent sonner aux portes du manoir pour demander du travail en tant que domestique. Ces trois personnes sont Monsieur Tuttle, Madame Mills et Lydia, une jeune fille restée muette depuis un traumatisme antérieur. Mais leur arrivée coïncide avec la venue d'événements étranges. Amenábar est un réalisateur, scénariste, écrivain, monteur, acteur, producteur et compositeur de nationalité hispano-chilienne. Né le 31 mars 1972 à Santiago, il a réalisé T6, Ouvre les yeux et Mar Adentro. Les thèmes importants dans ces films sont la mort et la solitude, que l'on retrouve tous les deux dans Les Autres. La mort évidemment, car le manoir est tenté par des esprits, et la solitude, car Grace et ses enfants sont obligés de rester cloîtrés sur leur île. Ces thèmes sont également présents dans T6, où une étudiante en cinéma enquête sur des snuff movies réalisés dans sa faculté. Grace est une femme très pieuse. Pour information, elle fait lire la Bible à ses enfants en guise de punition. Cette forte croyance ne lui permet pas de voir que la vie après la mort n'est pas celle qu'elle croit réellement. L'au-delà est énormément présent dans ce film. Il est même représenté matériellement par la brume encerclant le manoir en permanence. Ce film comporte de nombreux événements paranormaux. Les enfants parlent d'un événement tragique qu'ils ne peuvent pas raconter. Ils disent également voir une vieille femme et un enfant errer dans la maison. Grace, quant à elle, entend les pleurs d'un enfant autre que le sien. Et cela n'est qu'une petite partie de tous ceux présents dans le film. La maison est plongée dans la pénombre avec un travail sur les lumières extrêmement poussé. La pénombre protège les enfants, mais symbolise également le renfermement de Grace sur sa vision de la vie et de la mort. C'est également un film à huis clos. Toutes les scènes se déroulent en effet dans le manoir, et les quelques scènes en extérieur sont cloîtrées dans une brume épaisse et opaque. Vers la fin du film, alerte, spoiler. Vers la fin du film, donc, les rideaux sont mystérieusement arrachés, métaphore évidente de la prise de conscience de Grace, qui se rend compte peu après que non seulement ses domestiques sont des fantômes, mais qu'elle a elle-même tué ses enfants pour finalement se suicider. Nous étions donc du côté des esprits et non du côté des vivants depuis le début, et sans que ni les spectateurs ni les protagonistes ne s'en doutent. Dans ce film, un thème extrêmement important est présent, le thème de la frontière. Il y a tout d'abord une frontière physique entre la famille et le monde extérieur, mais également une frontière entre les morts et les vivants, ainsi qu'une frontière visuelle présente dans les contrastes de lumière du film. Cela étant dit, Amenábar prend le risque de nous placer, sans qu'on ne soit au courant, de l'autre côté, du côté des morts. C'est d'autant plus intelligent que cela marche parfaitement. Et la raison pour laquelle cela marche aussi bien, c'est qu'il ne bouscule aucun code présent habituellement dans les films de ce genre. Les autres ne sont en fait qu'une famille, appartenant au monde des vivants, et qui venait d'emménager dans la maison. La vieille dame, quant à elle, n'était autre qu'une voyante, pouvant communiquer avec les morts. Cette famille quitte le manoir à la fin du film en raison des esprits qui y sont présents. La fin du film chamboule totalement ce que le spectateur croyait durant toute l'histoire. Mais suite à cela, nous pouvons revoir le film d'une toute autre façon, notamment lors des scènes où s'immisce le paranormal, qui du coup s'explique immédiatement. Les Autres est un film intéressant, tant sur le fond que sur la forme, avec un traitement de l'image réussi. Amenábar nous plonge dans un film d'épouvante, d'apparence classique, mais nous offre une vision différente de la frontière séparant les morts et les vivants.